le premier jour, j'ai fait une journée d'intégration. Et ils m'ont expliqué ce qu'étaient des fontaines, ce qu'étaient les principes des fontaines, au niveau de la sécurité, tout ce qui était fait à des fontaines. Et un peu aussi comment ça se passe, bah, moi, la grosse forme du travail. Tous les jours, là, mardi, du coup, lundi, c'est la formation, la semaine dernière. Mardi, j'étais au meulage avec Sam. Toujours accompagné. Après, mercredi, jeudi, j'ai fait du centrage. Toujours accompagné, ils m'expliquaient bien les choses, assez facilement. Et ils m'ont laissé faire aussi, pas juste expliquer, ils m'ont laissé travailler. Et ça s'est plutôt bien passé. Au départ, on est formé pour les métiers de base, le début. Après, tout ce qui est meulage, pour pouvoir affiner les soudures qui sont faites par formage. Ensuite, j'ai été formé au centrage, donc pour la formation des pièces suivant l'aéronautique ou chirurgique. J'ai fait du centrage à froid et à chaud, par rapport aux différentes matières pour tout ce qui est. Il faut être assez minutieux, il faut être assez rigoureux dans son poste. Bien placer ses pièces, être assez carré dans ce qu'on fait. Il faut aimer le travail du métal. Il aime le travail manuel, envie de toucher un petit peu à tout, d'avoir envie de former des pièces qui peuvent derrière servir à l'aviation. On a des bonnes équipes, c'est assez appréciable le travail, de travailler ici. On est assez liés, on aime bien travailler ensemble. On travaille souvent en équipe, surtout quand on travaille à chaud. C'est varié, les collègues sont sympas, on écoute, on discute. Bah, c'est de venir avec de la motivation, sans essayer, on pourra dire que ben voilà, c'est sale, c'est mauvais, c'est ennuyeux, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un qui ne peut pas bien, qui ne peut pas bien, et qui peut juste